Samedi 7 janvier, Le Parisien a évoqué, en détail, l'intention de Claude Lelouch de se séparer d'un bien immobilier d'exception, qui se trouve à Tourgéville, dans le Calvados. Il s'agit du manoir qu'il a lui-même fait construire en 2010 et qu'il espère vendre pour la coquette somme de 7,5 millions d'euros. Une maison de 635 mètres carrés qui dispose d'un terrain de 4 hectares et d'un golf privé. Certains grands fans des films du réalisateur reconnaîtront plusieurs coins de ce bien, qui ont été utilisés en tant que décor pour Les plus belles années d'une vie, 2019, ou encore Chacun sa vie, 2017. Comme le précisent nos confrères, ce manoir très lumineux de Claude Lelouch a une architecture en cercle et d'imposantes baies vitrées pour admirer le grand terrain extérieur. Sur l'annonce immobilière, il est indiqué que le bien contient 5 suites allant de 30 à 55 mètres carrés, une réception de 200 mètres carrés, mais également une piscine de 70 mètres carrés. De quoi faire rêver et notamment attirer l'œil de plusieurs éventuels acheteurs. Le mandataire a, en effet, précisé dans les colonnes du Parisien qu'il y a déjà des personnes intéressées, qu'elles soient fans d'architecture, de la région normande ou encore du réalisateur. Supérieur à supérieur à Brigitte Macron et Éric Dupond-Moretti de sortie pour applaudir Claude Lelouch, un bien qui devrait financer son prochain film. Celui-ci souhaite ainsi conclure une vente, qui lui permettrait de financer son 51e film. Ce dernier sera baptisé La Folie des Sentiments. Le tournage est prévu pour l'été prochain, pour une projection en salle attendue en 2024. C'est un décor que j'avais construit pour plusieurs longs métrages et pour en préparer un autre, je vais le vendre, expliquait Claude Lelouch à France Bleu Normandie, lors d'une interview accordée le 20 décembre. La preuve qu'à 85 ans, le cinéaste ne manque ni d'inspiration ni de projet, pour le plus grand plaisir de son public. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Borde.